L'Arche de l'Alliance vous présente les prédications de salut, de restauration, de guérison et de délivrance avec le révérend Miezan Nyamke. À ce moment où nous sommes réunis ici, nous sommes venus attaquer comme nous sommes au pique-nique. Mais en retournant à la maison, tu dois seul avec ton problème. Il y a d'autres qui peuvent comprimer même avant de dormir. Mais en prenant tous ces comprimés, tu n'arrives même pas même à dormir. Il n'y a qu'une seule personne, c'est Jésus de Nazareth. Diffusion les jeudis 19h55 GMT, rediffusion tous les mardis à 2h10 GMT sur Bénité. Jésus, merci le Saoul, la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Et tu le verras ce soir. Et tu diras, Jésus est réel. Yes, on peut te mampou. Alors vous êtes encore la bienvenue. Et tu ne m'as pas sauvé. Alors sans plus tarder, j'invite l'évangéliste en point Miezan, l'homme de Dieu, acclame fort Dieu ton ce soir. Alléluia. Parce qu'il y en a. Amen. Jamais tu seras. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons prier pour beaucoup de cas. Alléluia. Nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Pourquoi j'aime Jésus? Et pourquoi nous sommes venus proclamer? Parce que il a l'autorité et le pouvoir. Et il est le Dieu qui vit. Bon homme de Dieu qui sont passés de ce monde. On ne sait pas s'il vit ou pas. Mais Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Et il vit. Il a le sol. À son gendre. Et hors de lui, le monde est sombre. Les calendriers que nous avons au monde à son origine de Jésus-Christ. Quand on compte, on dit après ou avant Jésus-Christ. Quand nous lisons l'évangile selon Luc, chapitre 8, à partir de verset 43 à 48, l'évangile selon Luc, chapitre 8, Luc, verset 43 à 48, la parole de Dieu dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte du sang depuis 12 ans qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qui n'a pas pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la fringue du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comment tout ça se défendait? Pierre dit, maître, la foule s'en tourna et te presse. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Car je sais qu'une force est sortie de moi.
la femme se voyait découverte, vient toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tous le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va ta paix. Jésus est toujours vivant et réel. Il donne la solution à situation impossible. Il donne l'espoir où il n'y a pas d'espoir. Il est celui qui suit l'âme. Il est celui qui donne la direction. Il est celui qui vient à lui, il ne le rejette pas. Il a celui qui a compassion de toute personne. Il est celui qui aime tout le monde sans distinction de race sociale. Il connaît l'état de l'homme. Et il est venu de ce monde. Comme ma parole me dit ceci. Christ est venu de ce monde afin de briser les œuvres de Satan, afin de briser les œuvres de magie, afin de briser les œuvres de la magie, afin de briser les œuvres de la magie, afin de briser les œuvres de la sorcellerie, afin de briser ce qui est de l'incantation, afin de briser ce qui est de l'incantation, afin de briser ce que l'homme considère son pouvoir. Il est au-dessus de toutes ces choses-là. Ces choses-là n'avaient pas de pouvoir. Et il n'aura jamais le pouvoir. Il se fléchit les genoux devant lui. Parce qu'il est Dieu. Et son nom c'est Jésus. Et son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Qui fait trembler même les démons. Qui fait trembler même les démons. Et les démons tremblent. Et qui sont tourmentés. Parce que son nom c'est Jésus. Ma parole me dit ceci. Il y avait une femme qui avait une perte de sang pendant bon 12 bonnes années. Une femme qui perdait du sang pendant 12 bonnes années. Et il a cherché des médecins à médecins. Mais il n'a rien trouvé. Un jour, il a entendu de parler de Jésus. Et ma parole me dit ceci. Il y avait la masse qui était là. Et tout le monde cherchait à voir Jésus. Comme la femme savait quel problème elle avait, elle n'a pas dit à qui qu'on se soit. Mais elle a forgé son chemin. Doucement. Et elle a dit, si j'arrive à attraper même son habit, je sais que je peux avoir ma guérison. Et c'est ce que la femme a fait. A touché à la vie de Jésus. En instant, ma parole me dit ceci. Elle a eu sa guérison. Une femme qui a perdu du sang pendant 12 bonnes années.
vivait. Ma parole me dit ceci. Quand une femme atteint le temps de menstruation, elle est considérée impure. Donc elle n'a pas droit d'aller au milieu des gens. Si quelqu'un est pur, ça veut dire que tout ce qu'elle doit toucher est impur. Il y a d'autres personnes, c'est leur talisman au cou de leur rein qui est leur Dieu, qui est leur maître, qui est leur maître. Il y a d'autres, c'est le pouvoir maléfique. Mais ce cheveu n'a pas de sens. Il peut te trahir. Et il va te trahir. Ils sont ingrats. Les gens adorent des fétiches. Adorent ce qu'ils appellent les dieux. Mais c'est la même chose que tu l'adores aujourd'hui. Si tu l'offenses demain, il ne dira pas que j'étais avec toi pendant des années. C'est lui qui va te tuer. Tu peux même faire des sacrifices à ton Dieu. Un bon jour, si tu n'as pas eu l'argent à faire ce sacrifice, il va te sacrifier toi-même. Il va te sacrifier toi-même. Il n'y a rien de bonheur en dehors de Jésus-Christ. J'ai dit le monde où nous sommes. Nous marchons comme nous partons au pique-nique. Même à ce moment où nous sommes réunis ici, nous sommes venus en tant que comme nous sommes au pique-nique. Mais en retournant à la maison, tu dois sortir avec ton problème. Tu dois sortir avec la peur. Tu dois sortir avec la peur. Il y a d'autres qui peuvent comprimer même avant de dormir. Mais en prenant tous ces comprimés, tu n'arrives même pas même à dormir. Tu n'arrives même pas à dormir. Regarde uniquement à Jésus. Si tu regardes uniquement à Jésus, il va te donner la solution avant de partir. Il va te donner la délivrance que tu veux. Il va te libérer. Il va te donner la vie. Il est celui qui donne la vie et que personne ne peut arracher. Alléluia. Amen. Je vais t'appeler. Naïs. Ce soir, c'est ton salut. Viens. Non. Et prends Jésus comme ton Seigneur sauveur. Jésus-Christ qui a fait. Fais comme la femme. Viens. Non. Je t'appelle. Naïs. Lève-toi et viens. Viens. Non. Viens. Viens. Rapidement. Ceux qui étaient là hier ou avant-hier ne venaient pas. Et ceux qui acceptaient Jésus avant-hier et hier ne viennent pas. J'appelle ceux qui n'ont pas accepté Jésus. C'est la première fois qu'ils vont accepter Jésus. C'est celui-là que j'aimerais qu'il vienne. C'est celui-là que j'aimerais qu'il vienne. Aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Alléluia. Amen. Vous allez répéter après moi. À partir de ce soir, dites après moi, à partir de ce soir, je me donne au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus,
je suis venu à toi. Sauve-moi. À partir d'aujourd'hui, tu es mon nouveau maître. Je ne reviens plus en arrière. Ma vie est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Je te considère comme mon nouveau maître et Seigneur. Amen. Amen. Je vous accueille. Prenez les noms et les informations. Je vais prier pour un musulman. Employez la grâce du Seigneur. Que Anabi Issa lui fait grâce. Viens et je vais prier pour toi. Viens rapidement, je vais prier pour toi. Rapidement, ils sont au moins 10. Et en plus, ça va les faire des faveurs. Que le service d'accueil ouvre la porte. Laisse l'espace. Je vais prier pour nos confrères musulmans. Que Anabi Issa le fait de la faveur. Venez un peu devant, pardon. Anabi Issa va vous faire de la faveur. Et il y a celui qui va livrer le dernier combat. Avec le Satan. Et la parole m'a dit, il a déjà pris la victoire. Et comme c'était écrit même dans le Coran, et que cette victoire sera aussi pour vous. Moi je l'appelle Jésus. Élevez vos mains, je viens prendre la grâce du Seigneur. Quand vous appelez Issa, moi je l'appelle Jésus. Jésus, je demande la grâce pour eux. Jésus! Anabi Issa! Anabi Issa! Et j'aimerais que tout le monde recule.
Ainsi ceux qui veulent la guérison. Tes pieds, les yeux, les soupirs, venez. Tout ça de maladie, venez vous joindre. Je vais invoquer Dieu pour vous. Allez-y un peu derrière. Tout à l'égard de Jésus. C'est pas moi. Celui qui peut me regarder. Fait n'a rien à voir. Mais celui qui pense à Jésus, pense pas de cette femme. Tu as dit, oh Jésus a pitié de moi. En prenant ta cause. En prenant ta cause. Jésus va te visiter. Aujourd'hui, c'est pour toi. L'Esprit de Dieu, tu es mon seul. Voici la foule. La multitude de frères et de sœurs, celui qui ne parle pas, parle. Alléluia. J'ai dit, Père, c'est Dieu. Au nom de Jésus. Marche!
viens. Ah. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Viens. Ah. Marche. Chocula. Marche. Chocula. Marche. Chocula. Marche. Chocula. Marche. Chocula. Et il y a deux personnes ici qui ont été tombées de béquilles. Au nom de Jésus, marche. 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 Il n'y a pas de vingtaine. De béquilles. Je vais descendre. Au nom de Jésus. Marche. Jo. Au nom de Jésus. Jésus. Marche. Jo. Au nom de Jésus. Jésus. Marche. Jo. Jésus, marche, John. Seigneur, amen. Je condamne ces péchés, je condamne par ton sang, ah, au nom de Jésus, Jésus. Marche, John. Jésus, 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 Jésus. Au nom de Jésus. 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 La pied. Attends. Marche-moi. Jésus. Je suis Jésus. Jésus Nazareth. Elle était derrière. Elle a laissé tomber. Derrière. Elle-même, elle a marché pour venir. Oui, quelle grâce. Elle est musulmane. Isa. Anabi Isa fait du bien. Anabi Isa n'a pas de mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui-là c'est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y en a encore. Elle ne voyait pas. Ah, maintenant tu me vois. Ah, bah voilà. Elle ne voyait pas. Elle portait les lunettes. Elle permet de tout. C'est quoi? Oui, Basso. 2000. Amen. J'étais une fois aveugle. Que cet yeux, que Dieu a ouvert soit permanent. Il y a pas de même à voler. Amen. Qu'elle ne voyait pas. Mais aujourd'hui, elle voit clair. Très clair. Maman, ça c'est quoi? Il est 100 fois 500. Jésus. Jésus. Merci. Sende. Il y a 10 personnes. Elle ne voyait pas et elle n'attendait pas avant. Maintenant, elle entend correctement. Tu me vois? Ça vibra. Alléluia. Elle ne voyait pas, maintenant elle voit. Viens ici, je vais te tester. Reste là-bas, viens ici. Il faut leur dire d'attraper ça. Attrape.
Jésus de Nazareth. Elle ne voyait pas, maintenant elle voit. Que sa vision soit permanente pour l'éternité. Elle n'entendait pas et puis elle ne voyait pas. Maintenant tu vois et tu attends. Elle entend. Alléluia. Hey, maman, attends. Elle a dit alléluia. Dis alléluia à toi. Alléluia. L'Arche de l'Alliance vous présente le révérend Mizan Niamke. J'ai toujours dit, le diable est aveugle. Parce que le Dieu que je le sais, et que bon nombre de personnes le sait, et que mes bien-aimés d'ici le sait, c'est un Dieu réel. C'est pas un Dieu qui a les oreilles qui n'attendait pas. C'est pas un Dieu qui ne parlait pas. C'est pas un Dieu où les feux de brousse la brûlent. C'est pas un Dieu quand il pleut et on le couvre pas, il fond. C'est pas un Dieu qui est fabriqué. C'est pas un Dieu qu'on attache au rein. C'est pas un Dieu comme pagan on met un doigt. C'est pas un Dieu comme talisman où les chaînes on met au cou. C'est le Dieu que je le sais. Son nom c'est Jésus.